Bonjour à tous et à toutes pour ce quatrième épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. Dans cet épisode du tutoriel, nous verrons ensemble comment rajouter la fonctionnalité pause à notre jeu et aussi comment restart le jeu en appuyant sur le bouton. Donc aujourd'hui, on va voir une partie assez, on va dire, moins facile que les autres épisodes du tutoriel. On va s'occuper de tout ce qui est partie interface. Donc on avait déjà commencé un petit peu à faire une interface pour nos coins, les coins qu'on récoltait. Mais cette fois-ci, on va rajouter des options de pause. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est rajouter le bouton pause. Après avoir téléchargé le dossier image qui est dans la description de la vidéo, vous allez ouvrir ce dossier et on va glisser dans notre dossier image. On va glisser deux nouvelles images, les boutons et les windows. Également, tant qu'on a le dossier d'ouvert, on va dans ressources, on rajoute un nouveau folder qu'on va appeler fonts. Et dans ce dossier fonts, on va rajouter l'image qui s'appelle X, mais qui n'est pas un point .png, mais un point .ttf. Les points .ttf, en fait, c'est une extension qui veut dire que c'est une police d'écriture. Et cette police d'écriture, on va pouvoir l'appliquer n'importe où. Donc, par exemple, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. On va dans CoinText. Et si je le glisse à la place de Arial, ma police d'écriture aura changé. Voilà. Donc maintenant, je peux marquer bonjour. Et ma police aura changé. Voilà. Donc on va laisser Coin pour le moment. Et première fonctionnalité sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, ça va être le bouton pause. Donc, on va aller dans notre canvas. On va aller dans notre canvas et on va cliquer sur Renderer Mode et on va faire Screen Space Camera. On va glisser notre caméra à l'intérieur. Et maintenant, on a en fait notre fonte qui n'est plus. Nos interfaces qui n'est plus en grand comme ça, comme on avait avant, mais qui est fixée sur la caméra. Donc maintenant, si on lance le jeu, on va avoir notre canvas qui va se déplacer en même temps que la caméra. C'est assez rigolo à voir. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans nos images et on va découper toutes les images dont on aura besoin. On va aller dans notre image Windows. On va lui dire que c'est un texture multiple. On va lui mettre high qualité, bilinéar, je sais pas quoi. Non, en fait, on va juste mettre un point ici. Filter mode point. Ce qu'on aimerait, c'est carrément, voilà. Ne pas avoir de compression, parce qu'en fait l'image qu'on va avoir est une image en bonne qualité. Du coup, si on va avoir une compression, notre image va perdre en qualité et ça va se voir immédiatement parce que c'est une image multiple. Maintenant, si on applique et qu'on fait Sprite Editor, on a une qualité qui est pas terrible. Vous voyez qu'il y a des pixels un peu partout. J'ai oublié de mettre le max size à 8192, un maximum. Maintenant, si on applique et qu'on fait Sprite Editor, on va avoir une image de bien meilleure qualité. Si on zoome un peu, voilà, on n'a plus tous ces pixels que l'on voyait. C'est beaucoup plus lisse. Les textures sont plus propres. Et là, on va choisir un peu tout ce qu'on veut. On va faire notre marché. Donc, première image que je veux, ça va être celle-là. Celle-là, ça va être un peu notre panneau du game over. Deuxième image, ça va être celle-ci, qui sera l'image du bouton pause. On va rajouter aussi cette image-là. On va rajouter cette image-là. Cette image servira pour les scores et celle-ci servira pour afficher du texte. On verra plus tard. Je pense que j'ai à peu près tout pris. On verra tout à l'heure. Si j'ai oublié quelques trucs, on reviendra dessus. On apply. Donc là, on a 5 sprites qui sont enregistrés sur toute l'image. Ensuite, on va sur les boutons et on va faire la même chose.
Donc pareil, c'est une image de haute qualité, donc on va mettre 8192. On va enlever la compression, bilinéaire. On n'oublie pas de mettre point sur le filter mode. Et on rajoute que c'est un multiple, que c'est un sprite mode multiple. Et on va l'éditer. Alors là, on va prendre plusieurs boutons. Premièrement, on va prendre le bouton play. On va faire des boutons de la même taille, donc on essaye d'avoir des carrés de 178 par 178. Normalement, c'est la bonne taille. On fait pareil pour les trois autres boutons à côté. Une fois qu'on a fini avec les boutons play, on va aller sur le bouton home. Le bouton home, c'est fait. On va pouvoir ajouter le bouton shop. Voilà, on n'oublie pas le bouton restart. Et enfin, un menu de configuration, un bouton de configuration tout en bas à gauche. Voilà, on applique et normalement, on aura tous nos boutons pour cet épisode. Une fois qu'on a découpé nos images, on va dans Canvas et on lui rajoute un UElement panel. On va l'appeler Buttons. Ensuite, ce panel, on va le redimensionner. On va le mettre en haut à droite de l'écran, de cette taille-là. Pas trop grand, mais pas trop petit non plus. On récupère les petites flèches là qu'on a sur le côté, qui sont en fait les encres, et on va les mettre tout autour de notre panel. Ensuite, notre panel, on lui enlève l'image parce qu'en fait, il sert juste de contenant. Remove Component. Donc, on a un panel comme ça, carré, en haut à droite de l'écran. Dans ce panel, on va lui rajouter un UI Button. On va l'appeler directement Pause Button. Ou Pause, juste Pause, ça suffira. On le redimensionne à la taille de notre panel. Donc normalement ça se fait très rapidement puisque les bords sont aimantés. Hop, donc on le voit directement. Et à ce bouton, on lui enlève le texte. On n'en a pas besoin, donc on fait delete. Notre bouton pause, du coup, on a découpé son image auparavant. Ah non, on l'a pas découpé cette image. Donc on revient dans image. On l'avait oublié celle-là. Sprite Editor. Et on récupère le bouton pause. Voilà, on applique, on sélectionne notre bouton et maintenant on lui rajoute notre sprite qu'on vient de redécouper. Voilà. Alors je vois qu'il n'est pas tout à fait carré, donc on va redimensionner notre panel. Et maintenant, notre bouton est bien carré. Au cas où on met 100 en width, 100 en hauteur. Et on a bien carré. Et cette fois-ci, pareil, les encres, on ne les met pas au centre, mais on va le mettre sur le coin de notre bouton et sur le coin inférieur. Voilà. Donc maintenant notre bouton est bien en haut à droite de l'écran et si on change la résolution de notre écran, on l'aura bien en haut à droite. Alors toutefois, on va quand même mettre les encres de notre panel buttons qui étaient autour de notre panel, on va les mettre plutôt en haut à droite. Et maintenant, si on change la résolution de notre écran, on a bien notre bouton pause en haut à droite et il n'est pas déformé. On revient à notre résolution normale. Et on va maintenant rajouter le panneau du bouton pause. Donc là, pareil, dans Canvas, on va rajouter un panel. Ce panel, on va lui donner une encre au centre en cliquant ici. Et on va réduire un peu ses dimensions. À peu près comme ça, pas vraiment, voilà, comme ça, on réduit un petit peu, je pense que là on est bien. Son sprite de fond, on va le changer. Alors on avait les boutons, on va dans Windows, et ce qu'on a découpé, on a celle-ci, on va la glisser. Voilà, elle prend bien la taille. Alors là on la voit transparente, donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur la couleur.
et lui mettre l'opacité à fond. On lui met aussi une couleur blanche pour pas modifier les couleurs de notre image. Alors là, on le voit derrière tout le monde. Donc ça, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais ça, c'est normal. C'est parce que dans Canvas, on lui a rajouté, on lui a dit qu'on voulait que ce soit la taille de notre caméra. On lui a mis notre caméra, mais on lui a mis une distance de 100. C'est-à-dire qu'il est vraiment très loin de notre caméra. Si on regarde en 3 dimensions, et qu'on bouge un peu, on voit que notre canvas est super loin derrière. Donc pour ça, on revient en 2D, on va dans Canvas, et on lui dit que la distance par rapport à la caméra est de 1. Et là, tout de suite, on a le canvas qui revient devant la caméra, et on a bien le niveau derrière. Ensuite, le panel, déjà, on va le renommer, on va l'appeler post-panel pour plus de lisibilité. Et on va lui rajouter un petit texte pour dire qu'on est en pause. Donc, dans ce post-panel, on lui rajoute un autre panel. Ce panel, il sera à peu près, il sera centré. Hop, un petit peu vers le haut. On va lui mettre les encres au bon endroit. Donc pareil, on entoure le panel avec les encres. Et le background, on lui donne celui-ci. On modifie son opacité et on la met à fond. Et voilà à quoi ressemble notre panel. Dans ce panel, donc on va l'appeler title. On va lui rajouter un texte. UI texte. On va l'appeler... Ah oui, alors, on va plutôt appeler notre panel title panel. Et notre texte, du coup, on va l'appeler title, tout simplement. Notre texte, du coup, il prendra la forme de notre title, de notre panel. Hop, on lui prend... Mince. On lui prend bien la forme. On lui dit best fit. On lui dit que sa forme maximale est de... On va mettre 100 pour être bien, quoi. Et ensuite, on va modifier le texte et on va l'écrire pause. Voilà. Maintenant, on va modifier le font. On a déjà glissé notre nouveau font à l'intérieur. Alors, font, pardon, c'est police d'écriture. Voilà, je vais m'exprimer comme ça. Donc, on glisse notre police d'écriture à la place de Arial. Et là, on a bien pause qui s'affiche. Alors, c'est un peu décalé vers la droite et un peu trop en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'alignement. On va le mettre au centre. Et on va le mettre au centre de notre case. Voilà. Maintenant, c'est un peu plus centré. Mais on voit que ça dépasse encore un petit peu. Donc, si on veut titiller... On va réduire un petit peu la taille de notre titre pour qu'elle soit bien centrée. Voilà. Et on va du coup remettre bien les encres à leur place. Voilà. Donc là, on a bien notre menu pause. Et si on change de résolution, pareil, on a bien notre menu pause qui s'affiche correctement. Bon, il est un petit peu... comment dire, il est un petit peu déformé, mais ça c'est pas grave. Premièrement parce que on n'aura pas d'écran de ce type là, ça n'existe pas. Et deuxièmement parce que notre jeu se joue sur un écran, voilà, un écran de type horizontal. C'est-à-dire que la largeur sera plus grande que la hauteur. Et quand on est sur un écran où la largeur est plus grande que la hauteur, notre panneau s'affiche correctement. Voilà, donc là on revient dans notre résolution habituelle. Et on va afficher un bouton play pour reprendre le jeu. Donc on va créer un UI button qui aura une forme carrée. Donc 125 par 125, je pense que c'est une bonne dimension. On va, voilà, le centrer. Son texte, on le délète, on s'en fiche. Et quant à ses encres, on va bien les mettre sur le coin de notre bouton. Voilà. Ensuite, notre bouton, on lui change son sprite. On lui met un vrai bouton play. Et voilà comment ça va se présenter. Maintenant, quand on lance le jeu et qu'on va cliquer sur un bouton,
Il va se griser comme ça. Sauf que nous, on a déjà d'autres sprites avec le bouton qui est enfoncé et le bouton qui est, ce qu'on va dire, highlight, donc surligné. Donc pour afficher ces sprites lorsqu'on clique sur le bouton ou lorsqu'on passe par-dessus le bouton, on va dans un de nos boutons. D'ailleurs, j'ai oublié de le renommer, mais on va le renommer tout de suite en play. On va dans ce qu'ils appellent l'élément bouton. Et dans transition, on lui met un sprite swap. Et là, directement, on a plusieurs sprites différents. Donc on a le target graphique, qui est celui de base. On a le highlight sprite, qui correspond à celui-ci, qui est un peu plus vert pétant. Et le preset sprite. C'est-à-dire quand on enfonce le bouton. Ensuite, il y a aussi le disable sprite que moi j'ai pas rajouté mais que vous pouvez rajouter puisque dans les images du bouton, il y a un bouton vert comme ça, un bouton surligné, un bouton enfoncé et un bouton qui est grisé. Et donc le bouton disable en fait correspond au sprite grisé. Alors moi je vais pas l'utiliser donc ce que je vais faire c'est que je vais glisser un sprite comme ça. On va faire pareil pour le bouton pause, qu'on a rajouté dans Buttons Pause. On lui met la même stratégie, Sprite Swap, Highlight, on lui glisse, pardon, pas ce bouton-là, on lui glisse celui-là. Quand c'est enfoncé, on lui glisse celui-ci. Et ensuite, on lui met un sprite n'importe lequel. Maintenant, quand on lance le jeu et qu'on va appuyer sur le bouton, on a bien nos boutons. Et quand on passe dessus, voilà, ils sont surligné. Pareil pour le bouton pause, quand on appuie, voilà. Dans notre menu pause, on va aussi rajouter deux autres boutons qui seront le bouton recommencer la partie et le bouton menu. Donc c'est parti, on va dans pause panel, on rajoute un nouveau panel, tac, UI panel, on va l'appeler buttons panel. Et on va lui dire que tu vas prendre cette zone-là de l'écran. On va le centrer, voilà. Et voilà. On va disable le background. On s'en fiche. Remove component. Et on va rajouter trois boutons. Donc UI button. On va l'appeler restart. On va lui prendre, voilà, lui dire que tu as un bouton carré quand même. Ou 75 par 75. Ça m'a l'air rigolo. Voilà. On le met bien ici. On enlève le texte parce qu'on n'en a pas besoin. On le copie-colle. On le met bien au centre. Pareil, on recopie-colle et on le met ici. Alors on vérifie bien sa position moins 90 et la position de celui-ci en 90. Voilà. Comme ça, ils sont bien alignés. Ensuite, on va éditer pareil nos encres. Donc on prend les petites fléchettes là et on les met bien comme il faut autour de nos boutons. Voilà le restart. Celui-là, c'est le bouton Home. On prend les encres, on les met bien. Et ensuite le bouton configuration, config. On récupère les encres et on les met bien comme il faut. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, bah pareil, on va lui ajouter les sprites. Donc lui, c'est le bouton restart. Donc on lui rajoute ce sprite-là. On lui dit que sa stratégie, c'est un sprite swap. Pas stratégie, c'est transition. Sprite swap. Et on lui met le highlight, le prest et le disable. On fait pareil pour le home. Sprite swap, highlight, prest, disable. J'ai oublié de l'éditer normalement, voilà, comme ça. Et ensuite le config, pareil. On fait un sprite swap. Highlight, Prest,
et disable. Voilà, donc là on a bien notre bouton pause qui s'affiche. Le problème c'est que quand on joue, bah, il est affiché directement. Donc ça pour le désafficher, bah, ce qu'on peut faire c'est le disable. Donc on clique sur ce petit bouton et il disparaît automatiquement. Ce qu'on va faire également, c'est rajouter un script à notre canvas. Et on va l'appeler Canvas Manager. Canvas Manager create. Et dans le script, on lui rajoute une fonction publique, void, et on va l'appeler postPlay. Cette fonction permettra de gérer du coup le pause et le play. On va lui faire une variable private de type booléen, private bool du coup, isPause, on va pas s'embêter, et de base ce sera égal à false. Alors false, ça s'écrit comme ça, point virgule. Ensuite, dans cette fonction, à chaque fois qu'elle sera appelée, elle va regarder si le jeu est déjà en pause. Si le jeu est déjà en pause, alors elle va s'occuper de remettre le jeu en route. Et si le jeu est en route, donc sinon, elle s'occupe de le mettre en pause. Donc première chose qu'on peut faire, c'est un time.timescale égale 1 et time.timescale égale 0 quand on doit mettre le jeu en pause. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Le time.timescale s'occupe de mettre en pause le jeu. Ensuite, si le jeu est en pause, enfin si on doit mettre le jeu en pause, parce que on va faire dans cette étape-là, on veut afficher notre panneau et enlever le bouton ici. Donc pour ça, on va créer deux GameObject. Public GameObject. Le premier, ce sera pour le bouton pause. On va appeler pause btn. Et le deuxième, ce sera pour le panneau pause. Pause panel. Quand le jeu va se mettre en pause, on veut que le bouton pause ne s'affiche plus. Donc on fait pause.btn.setActive. Entre parenthèses, false. Et on veut que notre bouton. Et on veut, pardon, que notre panneau soit activé. SetActive true. Et c'est le pause panel. On va faire pareil pour le jeu quand il revient, enfin quand il n'est plus en pause, mais cette fois-ci on inverse. On veut que notre bouton réapparaisse, donc SetActive true, et on veut que notre panneau, lui, par contre, disparaisse. Sinon, on l'aura en plein milieu de l'écran et ce sera difficile de jouer avec. Donc SetActive false. Il nous manque plus que d'inverser le isPause, parce que le isPause sinon il n'est jamais redéfini. Donc quand notre jeu est en pause, il s'occupe de le remettre en route. Et s'il est en route, bah, isPause du coup devient false. Et c'est pareil, quand le jeu est en pause, il s'occupe de le remettre en route. Et donc isPause égale true. L'inverse, pardon. Si isPause égale true, il se pose égal false. Donc si le jeu est en pause et qu'on le remet en route, oui, donc c'est égal à false. Sinon, s'il est en route, on le met en pause et il se pose égal true. Oui, c'est ça. On a donc le GameObject postBTN et postPanel qui s'ajoutent ici. Et on va les attribuer. Donc on met button pour le postButton. Et on prend le postPanel pour le postPanel. Voilà. Le postPanel, ensuite, on le désactive. On va dans notre bouton pause. Et là, on a le onClick qui signifie qu'on veut faire une action quand on clique sur le bouton. Donc, on rajoute le plus. On sélectionne, hop là, on sélectionne notre canvas, on le glisse dedans. Et là, on va dans nos functions, on clique. On a le Canvas Manager, donc notre script. Et on va avoir la fonction postPlay qu'on va pouvoir activer lorsqu'on va cliquer sur le bouton. On va faire la même chose dans notre panneau postPlay. Hop. On prend le bouton play, on lui glisse le canvas, canvas manager, post play. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu et qu'on clique sur pause, le jeu s'arrête bien,
c'est-à-dire que je me dépasse plus derrière. Les animations sont coupées. Et si je réappuie sur play, le jeu se relance. On peut aussi s'occuper du restart. Donc là, dans le Canvas Manager, on va faire un public void restart. Et ce qu'on va faire là-dedans, dans le restart, c'est recharger la scène. Une scène, c'est notre niveau en fait. Donc là, on fait scène manager.loadScene. Et entre parenthèses, on lui donne le nom de notre scène. Donc le nom de notre scène, on lui a donné dans le tuto numéro 1. Il s'appelle Run. Vous l'avez peut-être appelé autrement. Il faut l'appeler exactement du même nom. Maintenant, si on veut recharger cette scène, il va falloir aller dans Fichier, Build Setting, donc configuration de construction. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Moi, je l'ai en anglais. Donc Build Setting. Et on lui fait Add Open Scene. Et il va me chercher directement le ressource Scene Run, qui est juste ici. Voilà, ressource scène run. On ferme. Alors là, j'ai un petit problème. C'est que là, il me dit que le nom scène manager, il ne le trouve pas. Ça, c'est un problème de using que j'ai oublié. Là, on rajoute un using. Using Unity Engine.scene management. Alors, hop, j'ai oublié un E. Voilà. Et là, ça disparaît. Alors, j'ai dû oublier aussi un point-virgule quelque part, puisqu'il me remet une erreur. À quel niveau? Management pour 6. Ah, ben oui, j'ai oublié le point-virgule juste ici. Maintenant, on va dans notre bouton Restart. On lui rajoute le canvas. La fonction dans le Canvas Manager, on lui rajoute la fonction Restart. Et maintenant, si on veut recommencer le jeu, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pause et à cliquer sur restart. Et là, le jeu recommence. Alors là, le jeu recommence, mais pas vraiment. Quand on a appuyé sur pause, l'échelle de temps s'est mise en pause, donc le temps est à 0. Et quand on a fait restart, l'échelle de temps est restée à 0. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'avant de restart, on lui met un time.timescale à 1 pour lui redonner le temps. Et maintenant, si on refait l'expérience, on met le jeu en pause, on redémarre, et le jeu redémarre bien comme il faut. On peut remettre en pause et redémarrer à l'infini. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie de coder votre propre jeu sous Unity. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans le cinquième épisode du tutoriel, où nous verrons comment implémenter le Game Over.